Depuis plus de trois siècles, dans ces montagnes et ces vallées constellées d'ateliers, se jouant des frontières, des pléiades d'artisans et d'artistes se consacrent à la recherche du temps précis et à son ornementation, avec pour force motrice la passion. Le but, c'est aussi d'essayer de transmettre cette passion aux nouvelles générations, aux jeunes, qui sont fascinés au final par notre propre existence, puisqu'on commence avec leurs ancêtres. Ici, c'est vraiment le bassin de l'horlogerie. Il y a tous les acteurs de l'horlogerie dans le coin. Et franchement, c'est agréable pour travailler. Ouais, je suis tombé amoureux de ces mécanismes, de ces petits engrenages. Et je trouve que c'est l'un des arts les plus beaux, en fait, qui existent. Donc le savoir-faire, pour moi, c'est quelque chose de primordial, on va dire. Pile poil. En fait, depuis tout petit, je suis attiré par les objets mécaniques, en particulier les automates, où ça n'a pas d'utilité, mais ça provoque beaucoup d'émotions. On est dans le rêve, on ne se prend pas au sérieux, on reste un peu des grands enfants. Oscillant entre technique et art, science et philosophie, voire poésie, ces mécaniciens aux doigts d'or conçoivent, créent et restaurent montres, pendules et horloges, automates, carillons et jeux de flûte, boîtes à musique, oiseaux chanteurs et mille et autres complications. Il peut y avoir des petits points durs. Ouais, on a déjà refait des roues, hein. Il y en avait tellement. Il y a des roues qui étaient carrément usinées à la lime. Chaque génération, cherchant à maîtriser métaux ancestraux et procédés nouveaux, s'applique à perfectionner outils, machines et technologies. Du planteur d'échappement au dessinateur en construction microtechnique, que de passages de témoins, que de fascinants destins. On usine les composants, on monte, on décore, on est très autonome. Je polis les ailes des roues et des pignons pour limiter le frottement dans l'engrenage et améliorer le rendement de la montre. Je suis en train de faire la dernière étape de fabrication des vis, donc la partie esthétique, et là c'est le polissage. Pour finir à les polir avec des pâtes de diamant et tout ça pour embellir les pièces de la montre. Établis orientés vers le futur, tous ces protagonistes œuvrent patiemment à un défi perpétuel. Réinventer le temps, la gestique et la musique en de savantes et précieuses mécaniques.